Flou, volant. Si seulement j'avais des ailes la journée aussi. Voler par un vent pareil, ça doit être super génial. C'est pas un temps à mettre un chat dehors. Les lézards non plus n'aiment pas quand il fait froid. Heureusement que j'ai un blouson bien chaud. Hé, qu'est-ce que c'est? Un message? Signé les farfelous. Vous qui vous croyez si fort, les pyjaminus, attendez de voir notre nouveau pouvoir. Venez vous mesurer à nous. Un temps de chien et les farfelous. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter le terrible méchant. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou. Ouais. Ha. Greg devient... Bibou. Sacha devient... Yo-yo. Pyjarobot? Pyjarobot! Tu as une piste pour les farfelous? Ah, oh, quand on parle du loup! Vite, tout le monde au parc! Qu'est-ce que ça sonne bien? J'en ai moi-même des frissons, c'est clair! Cette fois, les pyjamasques n'ont qu'à bien se tenir! Mais... c'est juste notre hurlement supersonique habituel. Oui, mais renforcé par le vent. Ça change tout. En plus, il a un nouveau nom très cool. Le hurlement supersonique. Vous êtes prêts? Yep, yep. Ah! Arrêtez, vous allez finir par faire des dégâts. Ah, les pyjaminus. Vous tombez pile poil. Et même pile plume. On va vous montrer qu'on est les plus forts. Une bonne fois pour toutes. Grâce à notre hurlement supersonique. C'est pas du jeu, ça ne suffit pas de changer le nom d'un pouvoir pour dire qu'on en a un nouveau. N'importe qui peut faire ça. Si n'importe qui peut le faire, alors nous aussi. À la une, à la deux et à la trois. Ça me donne des ailes et je vais vous le prouver. Bibou, mi-plume. Continuez à hurler. Gare en plume. Vous vouliez prouver que vous étiez les plus forts? J'attends toujours de voir, moi. Ne te moque pas de notre nouveau pouvoir. Pour la dernière fois, ce n'est pas un nouveau pouvoir. Et rien n'est plus fort que mes mille plumes. Elle fait sa maligne avec ses plumes de hibou, mais elle ne connaît pas encore les plumes de loup. Les plumes de loup, ça s'appelle de la fourrure. J'ai un super plan que vous deux, vous n'êtes pas assez malins pour comprendre. Mais il est génial, sensationnel, et rien ni personne ne peut le faire rater. Ah oui, c'est vrai? Oui, vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est vous arranger pour que Bibou vous bombarde de plumes. Faites confiance à mon génie. T'as vraiment assuré avec l'aide du vent. Fiou, fiou. Et eux, ils ont fait... Il fallait bien les arrêter. Ils voulaient mettre la pagaille pour nous impressionner. Mais ils avaient oublié le pouvoir de mes plumes. Les fameuses plumes, Tilou, Scarlou, rapportez-en d'autres. Mais comment? C'est fastoche. Eh oh, crâne de piaf, par ici. Vous comptez recommencer vos bêtises? Exact. Hein? Ça ne vous a pas suffi? Non, et cette fois-ci, on va faire décoller votre QG. Hein? Essaie de les attraper. Je suis là pour le protéger. Au secours! Voyons un peu ce que ça donne.
J'en suis sûre, mon plan va marcher. J'avais raison, je suis un génie. Pourquoi dans le plan de Lune, c'est nous qui devons faire tout le travail? Je ne sais pas du tout. Elle a dit qu'on n'était pas assez malin pour comprendre. Toi, t'es capable de penser à quelque chose d'intelligent? Je crois que oui, si je me concentre. Quelque chose d'intelligent, quelque chose d'intelligent... Méga-muscle! On a évité la catastrophe. Viens vite, Gluglu, il faut qu'on les rattrape. Laissez, je m'en occupe. Elle est en forme ce soir, hein? Oh, Plume à volonté! Wouhou! Tra-la-la-la-la! Et le prix du plan le plus super génial de l'univers est attribué à... moi! Vous en vouliez encore? Eh bien, en voilà! Où est Lune? Pas derrière vous, en tout cas. Dis-moi tout de suite ce qu'est le manigance. Je sais pas encore. Donc elle manigance bien quelque chose. Oh, vite, poursuivez-le. Il nous échappe. C'est pas facile du tout. Lune, ne me dis pas que c'est ça ton plan. Moi, je m'attendais à quelque chose de vraiment génial. Il est génial. Et c'est toi qui vas le tester. Bibou se prend pour la meilleure avec ses jolies plumes rouges, mais elle n'a pas encore vu les farfelous volants. On va s'envoler si haut que... Que quoi? Je suis sûre qu'on gagnera de nouveaux pouvoirs de loup-garou si on va jusqu'à la Lune. Waouh! Hallucinant! Mais, attends, c'est vraiment très haut, t'es sûre que c'est pas trop dangereux? Tu me le diras quand tu seras en l'air. Moi, j'ai trouvé l'idée, à toi de l'essayer. Je suis le cerveau de la bande, je ne peux pas me permettre de prendre des risques. Est-ce que je peux arrêter de me faire poursuivre? Oui, j'ai une autre mission pour toi. Hein? Au secours! Et voilà! Je crois que les farfelous ne montreront plus le bout de leur museau avant longtemps. Ils volent maintenant? Et avec mes plumes, on dirait! Aux plumes. Je suis une dure à cuire et je compte bien les rejoindre. Une fois que je serai sûre et certaine que c'est sans danger, retourne-moi par terre. À l'aide! Je crois qu'on va devoir voler à la rescousse. Pour sauver les farfelous ou la ville? Port mes écailles. Tous ces dégâts à cause de Lune. Et à cause de moi aussi. J'ai trop fait la maligne avec mes plumes. Voyons, tes plumes sont vraiment super. Mais tu sais, nous aussi, on a des pouvoirs pour t'aider. Sur ce coup-là, mon yo-yo ligoto fonctionnerait très bien. Oui, accompagné de quelques glu-glu méga-muscles. Ok, allons récupérer mes plumes. C'est l'heure d'être un vrai héros. Bibou Tornado! Wow! C'est le moment d'atterrir. Wow! Mille reptiles! Ah! Ah! Oh! Ah! Finalement, ça ne marche pas. Puisqu'ils ne descendent pas, c'est moi qui vais monter. Bibou, sois prudente. Je l'ai eu.
chance. Ils ont raison, Loon. Tu t'es servi d'eux pour tester ton plan alors que toi, tu n'as pris aucun risque. Tes plans, c'est fini. On n'a plus confiance. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis un génie. Je trouverai un autre plan. Un plan génial que rien ni personne ne pourra faire rater. Bonne chance, Loon. Je pense que maintenant, ils vont réfléchir avant de t'écouter. Ben, moi, je vais garder un œil sur mes plumes, au cas où ils se laisseraient convaincre. Tu as raison, on ne sait jamais avec les farfelous. Pyjamas, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Gluglu et les voleurs de lézards. T'as eu une super note au contrôle de maths, Greg. Bien joué! Merci, Sacha. Je suis vraiment content d'avoir réussi. Hein? Lionel! Oh. Il a disparu! Oh non, Lionel! Là! Viens me voir, mon grand. Comment tu as fait pour t'échapper? Normalement, tu ne peux pas sortir de là tout seul. Peut-être que quelqu'un a voulu le kidnapper. Oh! Les farfelous ont voulu enlever Lionel? Ils ne sortent jamais la journée. Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans les arts? Aucune idée. À nous de le découvrir. En attendant, je ne quitterai pas des yeux Lionel. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Yuhu! Ha! Ha! Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! Les farfelous ont dû bondir de ta fenêtre et atterrir ici. Un atterrissage en catastrophe, on dirait. C'est bizarre, bondir partout, c'est justement ce que les farfelous font de mieux. Oui, il y a quelque chose qui cloche. J'ai une drôle d'impression, comme si c'était pas les farfelous qui avaient voulu enlever Lionel. Ah, tu as la même impression? Hein? Par là-bas! Cette fois, on va les attraper! Alors, les farfelous n'y sont pour rien? D'accord, là, ça semble évident. Ils ont vraiment l'air de chercher quelque chose. Ils cherchent Lionel. Oui, suivons-les. Tiens, je me demande bien où ils courent tous comme ça. Je ferais mieux d'utiliser ma nouvelle antenne à parlotte. Robot? Mise en route de l'antenne à parlotte, maître. Moussou, à la limite, on n'entend rien, approchons-nous. J'ai toujours cette impression bizarre. Je ne vois pas pourquoi les farfelous voudraient enlever Lionel. C'est dur de deviner ce que ces toutous à fourrure ont derrière la tête. Mais peut-être qu'ils adorent les lézards. Les farfelous adoraient les lézards. Alors là, je n'y crois pas une seconde. Pyja Robot, tu peux trouver un rapport entre les farfelous et les lézards? Ah mais oui, c'est vrai. Ils ont quasiment détruit la ville quand ils ont fabriqué leur dinosaure. Le farfelosaure. Tu as raison. Après tout, les dinosaures sont de très gros lézards. J'ai quand même un doute. Peut-être que cette fois, ils veulent se servir d'un lézard plus petit comme Lionel. Hé, vous avez entendu? Oh, ça vient de là. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Toi aussi, tu as une impression bizarre? Non, ce sont les farfelous. Il faut absolument suivre les vrais indices. L'antenne ne les reçoit plus, maître. C'est pas grave. Ce qu'on a entendu est parfait. Pourquoi on s'approche pas? Ce serait mieux. Non, pas besoin. Regarde. Fais attention, Scarlou. C'est les papillons qu'il faut attraper, pas moi. D'abord, ils s'en prennent à Lionel et maintenant au papy nuit. C'est la journée des animaux ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes, tête de tétard? On n'en veut pas de ton lézard tout nul.
On en a assez des papy nuit. Ils n'arrêtent pas de nous chatouiller le museau et après, on ne fait qu'éternuer. Sœur Céline, elle arrive. Hein? Ce n'est pas nous qu'elle est venue voir. Ça suffit les fougarous. Arrêtez d'embêter mes papy nuit. C'est farfeloupé pour vous les toutous. Hein? Donc ce ne sont pas les farfelous qui ont voulu enlever Lionel. Ah, je le savais. Alors mon impression était bonne en fait. Mais qui a voulu kidnapper Lionel? Aucune idée. On devrait peut-être délivrer les toutous à fourrure maintenant. Quoi? Un vol au musée? Allons-y. On ne sera pas lent. Surtout ne bougez pas. Comme si on avait le choix. On arrive trop tard, on dirait. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'il manque? Le T-Rex et le Pteranodon. Mais c'est avec ces squelettes que les toutous ont fabriqué leur farfelosaure la dernière fois. Encore les farfelous? Mais ils sont ligotés à un lampadaire à l'autre bout de la ville. J'ai encore une impression étrange. Cette fois, je veux suivre mon instinct. Est-ce qu'on peut retourner au QG? Je voudrais reprendre cette histoire depuis le début. Bon, d'abord, quelqu'un a voulu enlever Lionel et maintenant deux squelettes de dinosaures ont disparu. C'est forcément les farfelous. On a entendu leur hurlement et ils ont volé les mêmes squelettes que la dernière fois. Mais ils n'ont pas pu les prendre puisqu'on était avec eux quand le vol a eu lieu au musée. Tous ces indices ne mènent nulle part. Je crois qu'on devrait te laisser suivre ton instinct, Gluglu. Oh hein? Roméo! Il a déjà enlevé Lionel, vous vous souvenez? Vous reconnaissez mes friandises? Vous lui en avez donné? Il s'en était servi pour attirer Lionel... comment ça s'appelait? Des Maxi Gloops. Lionel était devenu un lézard géant. Et attendez un peu. Je me souviens pas du tout de ça. Mais c'est parce que ça se passe maintenant. C'est en direct. Je veux dire, cette visite au musée a vraiment été intéressante. Ha! Personne ne peut plus m'arrêter. Pas si vite, Roméo. Tu ne devrais plus voler de lézards qui ne sont pas à toi. Pas vrai, mon gros? Oh, coucou, Lionel. On dirait que les bons Maxi Gloops de Roméo t'ont manqué. Tu en veux un tout de suite? Confisqué. Yo-yo, Lidodo. Gardez-les. Enlever Lionel, c'était seulement la première partie de mon plan. Attention, maître. Lionelosaur et moi, on s'était tellement amusés tous les deux que pour recommencer, j'ai envoyé Robol voler au lézard gluant. Mais il a raté son coup. Désolé, maître. Le petit lézard est tellement mignon. Heureusement, tu as réussi à envoyer les Pyjaminus sur une mauvaise piste grâce à ton simulateur de hurlement parfelou. Et dès que vous êtes parti à la poursuite des fougarous, il m'a suffi de vous écouter. C'est grâce à vous que j'ai appris l'existence de ce magnifique dinosaure. On a déjà arrêté ce farfelosaure une fois. On peut recommencer. T'en es sûr? Vous allez voir. J'ai ajouté quelques améliorations. Grâce à mon nouvel ami dinosaure, je vais vraiment devenir le maître du monde. Il faut tout faire pour l'arrêter. Il risque de détruire la ville entière. Je savais que c'était pas les farfelous qui avaient fait ça. Oui, on aurait dû te laisser le temps d'écouter ton instinct au lieu de foncer. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Lionel? Bonne idée! Avec quoi est-ce qu'on peut arrêter un gros lézard? Avec un lézard encore plus gros! Par mes oreilles de chat! Suis-les! Allez, fonce, Lionelosaure! Cette fois, mon instinct me dit que ça va marcher. Hey, Roméo, toi qui aimes les lézards, j'en ai un gros rien pour toi. Tu m'as eu une fois, tu ne m'auras pas deux fois. Oh, merci Lionel, bien joué. Le farfelosaure est trop rapide. Non,
lui qui est rapide. C'est Roméo. C'est lui qui le dirige grâce à la télécommande. Glu glu, attrape la télécommande. Sans elle, Roméo ne pourra plus piloter le Parpelosaure. Oh, excellente idée. Lionel, fonce. Faites-moi descendre! Yo-yo, Lidodo! Secoue-moi un peu ce vieux Tados! Hein? En place au musée. Il n'y a plus qu'à mettre la télécommande du Farfelosaure à l'abri dans le coffre-fort du QG. Attendez, mon instinct me dit autre chose. Je sens qu'on devrait fêter ça avec une petite friandise. Oui, tu en veux une, Lionel? Ah, oh. Il est plus mignon à cette taille. Pyjamasque et Lionel, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas. J'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. Youhou! Y'a quelqu'un? Les pyjamas et le tatou héros. C'est toujours une chouette idée d'observer les étoiles, Amaya. Je me demande ce qu'on va voir ce soir. Peut-être la constellation du hibou. Ou celle du tigre. La constellation du gros félin. Ou peut-être la planète des lézards extraterrestres géants. Je suis persuadée qu'elle n'existe pas. Mais on peut jeter un coup d'œil de toute façon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une étoile filante? Hein? Ou un ovni? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça arrive drôlement vite! Oh! Elle se dirige droit vers notre QG! Pyjamas, qu'on a un nouveau défi! Les soucis, on les règle la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire! Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glu-glu! Ha! Ha! Sacha devient... Yo-yo! Ça ressemble à un énorme rocher. Ne t'inquiète pas, on va l'arrêter. Tout va dépendre de toi, Glu-Glu. C'est toi le plus fort. Faites-moi confiance. Tatou Rotom! Wow! Tatou Rotom? J'ai réussi! Ce rocher-là est allé jusqu'à la Lune et est revenu sur Terre! C'est toi qui as envoyé ce rocher dans l'espace? Absolument! J'envoie des blocs de pierre dans le ciel pour continuer à perfectionner mon attaque Tatou Rotom blindée! C'est pas bien du tout! Jeter des cailloux en l'air, c'est dangereux! Tu aurais pu détruire notre QG! Désolée, je voulais seulement m'entraîner comme tous les grands héros! Mais vous ne pouvez pas comprendre! Vous, vous faites des trucs incroyables tout le temps! Ok, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire très attention. Hé! Si je me faisais pardonner mon erreur en vous donnant un coup de main? Oui, peut-être que tu pourrais te joindre à nous juste pour une nuit. C'est super! Commençons par nous échauffer en faisant des exercices. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est seulement pour une nuit. Je n'en sais rien. Il en fait toujours un peu trop. Et je trouve qu'il réagit toujours un peu bizarrement. Oh, il est enthousiaste, c'est tout. Allez, ça va être rigolo. Hé, pourquoi il fait autant de bruit, votre robot? Oh, oh, c'est son signal d'alarme quand il repère des méchants. Je crois qu'il va nous falloir des renforts. Super génial! Tatou Rotom, c'est le plus fort. Les méchants, il leur passe sur le corps.
C'est pas ça le cri du ralliement, nous on dit. Les soucis, on les règle la nuit. Lâche ça tout de suite, Roméo. Même pas peur. Tant pis pour toi, tu l'auras bien cherché. Glu glu méga muscle. Maître, pitié, aidez-moi. Pas mal, mais admirez cette attaque. Le tatou de tonnerre. Oh, c'est pas du jeu. Où t'as tout ton fait équipe avec vous maintenant? Mais qu'est-ce que tu fais? Aïe. Je suis le héros de la nuit. Je n'aurais pas pu faire autant de dégâts moi-même. Vous allez devoir faire le ménage. Oh. On ne va pas vous laisser faire, les ninjas zouaves. Bibou, mi-plume! Non! Chaud devant! Tatou Rotom à la rescousse! Non! Oh. Boum! Oh. Tatou Rotom! Cette nuit, je patrouille avec les pyjamasques! Donne-moi ça! Tiens, tiens! Les pauvres petits pyjamasques! On dirait que votre nouveau coéquipier vous vole la vedette! Je rêve. Je vais voler la balançoire et vous ne pourrez pas m'en empêcher. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Alors comme ça, tu laisses ton nouveau copain faire tous les boulots à ta place? Je contrôlais très bien la situation. Mais je suis toujours le héros de la nuit. Vous avez vu comment j'ai assuré ce soir? Mes attaques sont trop rock'n'roll. Oui, merci Tatou Rotom. On s'est bien amusé, hein? Super bien amusé. Ça me donne envie de chasser les méchants toutes les nuits. Oh, on ferait mieux de rentrer maintenant. T'as raison, on devrait fêter ça. Vous avez du chocolat chaud avec des mini marshmallows, non? Tu veux venir dans notre QG? Bien sûr, je suis impatient de visiter votre repère. Heureusement que j'étais là pour le protéger de la météorite tout à l'heure. Pas vrai, les amis? Mais... c'est lui qui a lancé le rocher dans le ciel avant de le détruire, non? Waouh, cool! Oh. Comment ça marche, ce truc-là? Waouh! Tatou Rotom, attends! Ah. Tatou Rotom, attends! Non! Le mouton-là! Arrête, je te dis! Robot, sinon tu risques de te griller les circuits. Bon, est-ce que vous pourriez me montrer tous les super gadgets que vous utilisez? Au fait, est-ce que vous avez une poignée de main secrète? Non. Oh, je vais vous en inventer une. Que pensez-vous de ça? Bon. Ouais. On est les plus forts. Tu veux dire, on a réglé les tracas. On crie hurra, cette nuit on a réglé les tracas. On pourrait en faire une chanson. Les pyjamasques vaincront leurs ennemis et traqueront les méchants toute la nuit. Non, c'est toujours pas notre devise. Regardez-moi cette voiture de rêve. C'est mon chat bolide. Fais attention. Comment on fait pour avoir des gadgets comme ça? J'aimerais bien avoir la même couleur chocolat. Tatou Romasque met le turbo. Tatou Romasque, t'as dit? Tatou Romasque, comme dans pyjamasque. Avec ce nom-là, je me sentirais plus à l'aise dans l'équipe et je pourrais faire plein de trucs fantastiques toutes les nuits. Non! Je suis un peu à l'étroit. T'inquiète pas, je vais la réparer. Tout ce qu'il me faut, ce sont des outils. Qu'est-ce qui lui prend d'un seul coup? Il croit qu'il fait partie de notre équipe. Pour toujours? Un. Il faut qu'on lui dise. Comment? On ne peut tout de même pas lui demander de partir. Mais il se met toujours en avant, il n'arrête pas de tout faire rater. Oui. Il faut qu'il s'en aille. Oh, je crois qu'il nous a entendus. Oh non. En route, on doit à tout prix lui parler. Qu'est-ce que je regrette d'avoir sauvé leur QG.
Je vais leur apprendre, moi. Il est là. Il a l'air très en colère. Hey, salut. Oh. Quoi de neuf? Vous voulez pas de moi dans votre équipe et ça m'énerve. On va tout expliquer. Non. Si je peux pas devenir un pyjamasque, eh bien je vais complètement détruire votre QG. Oh, tu n'oserais pas. Tu veux parier? Je vais l'écrabouiller. Et quand j'aurai fini de l'écrabouiller, je l'écrabouillerai une fois de plus. Je vous avais bien dit qu'il en fait toujours un peu trop. Bibou, mi-pim. Yo-yo, rapido. J'ai sauvé le QG. Je ne peux plus m'arrêter. Par mes écailles, il va détruire toute la ville s'il continue comme ça. Pas si on peut l'en empêcher. Tous au chabolide. Au secours! Aidez-moi! Attention! Il a perdu le contrôle. Wow! On a eu chaud. C'est peut-être une boule de démolition ambulance, mais il faut dire qu'il est doué en mécanique. Il a fait du super boulot en réparant ma voiture. Oh oh! Où est-ce qu'il est passé? À toi, Bibou. Je m'en occupe. Bibou Vision! Il fonce tout droit vers le musée! Oh, mais le reptile! Il va tout réduire en miettes à l'intérieur! On va l'arrêter à temps. Bibou Tornado! Vas-y, Glu-Glu! Je pourrais pas le retenir longtemps! Je sais que je peux y arriver! Glu-Glu, méga muscle! Je l'ai repoussé! Un petit coup de main? Merci à vous tous. J'arrive pas à croire que vous m'ayez sauvé après que je me sois si mal conduit. Nous aussi, on est désolés. On ne voulait vraiment pas te faire de la peine. Oh, bah c'est pas grave. Je ne dois pas être encore prêt à faire partie d'une équipe. En plus, je travaille mieux tout seul. Tu sais, tu pourras encore nous aider de temps en temps. Oh, ça me plairait drôlement, ça, oui. Faites-moi signe et je mettrai le turbo pour arriver. En mode tatouratum. D'accord, ravi de te faire plaisir, mais tu peux nous reposer maintenant. Pyjamasque, on crie hourra. Cette nuit, on a réglé les tracas. Avec un petit coup de main de tatouratum.